Je voudrais rappeler que cette réunion informelle, accueillie à Paris, est à l'initiative à la fois du Pérou et de la France, puisque nous avons décidé, le Pérou et la France, de travailler ensemble, la présidence de la COP20 et la présidence de la COP21. Nous sommes réunis pendant 2 jours, 57 pays, 40 ministres, toutes les régions du monde et tous les groupes de négociation représentés. Ce sont des consultations ministérielles informelles. Ce sont les deuxièmes que nous organisons. Déjà au mois de juillet, nous l'avions fait. C'est un processus inédit qui a été salué par tout le monde, puisque, comme vous le savez, il y a un processus assez complexe qui fait que le texte lui-même, qui doit être préparé pour la COP, est préparé par un groupe appelé ADP, qui se réunit à Bonn, mais avec les négociateurs, mais il est indispensable que les ministres puissent également confronter leurs points de vue, faire avancer un certain nombre de sujets pour que tout ça converge. Et nous partons de l'idée que l'accord de Paris se construit avant Paris. Comme c'était le cas au mois de juillet, cette réunion a servi à identifier des zones de convergence sur les grandes questions politiques du futur accord et d'impliquer les ministres, encore une fois, qui sont représentatifs de la diversité des pays du monde, avant même la COP. Tous les collègues ministres présents ont fait l'effort de rentrer dans le vif du sujet. Ils ont tous rappelé l'urgence d'avoir en octobre un texte clair et concis qui permette de négocier sur les points politiques clés et d'arriver à Paris en ayant déjà traité un certain nombre de grands sujets. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ce que nous avons fait dans ces 2 jours, ce n'est pas un cadre de négociation alternatif, mais ce sont des échanges politiques entre ministres qui définissent les priorités et les lignes rouges de chaque pays et de chaque groupe et vont nourrir l'identification des compromis qui sont indispensables. Il n'y a pas de conclusion formelle, mais Laurence Tubiana, qui m'aide énormément dans tout cela, envoie une espèce d'aide-mémoire qui permet à chacun, présent ou non présent, de savoir quels sont les points sur lesquels nous avons convergé. Et le Pérou et la France font les efforts nécessaires pour assurer la transparence, c'est indispensable, et le caractère inclusif de ces consultations. Nous avons traité essentiellement des sujets suivants. Nous avons traité de ce qu'on appelle les moyens de mise en œuvre et nous avons traité des questions qui concernent l'adaptation et ce qu'on appelle les pertes et dommages. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Je dirais que sur les questions d'adaptation, puisque vous êtes ici, vous êtes des spécialistes de ces sujets, ce qui a frappé les uns et les autres, c'est que désormais, la question de l'adaptation et la question dite de l'atténuation sont placées sur le même rang par les différentes délégations. Et ceci va se traduire dans l'accord de Paris. De la même façon, même s'il y a encore des discussions sur telle ou telle place à accorder, la question des pertes et dommages qui, dans le passé, avaient soulevé beaucoup de controverses, apparaît maintenant beaucoup plus consensuelle, même si, encore une fois, il y a un certain nombre de sujets précis à traiter. Nous avons parlé de la question financière, de la question des financements, et il a été rappelé par les uns et par les autres, sans exception, que l'engagement des 100 milliards de dollars par an en 2020 devait être respecté. Vous savez sans doute
que les présidences françaises et péruviennes ont demandé à l'OCDE, en collaboration avec CPI, de donner une vraie clarté sur les chiffres et sur les méthodologies qui permettent d'obtenir ces chiffres. Parce que si nous voulons éviter des débats infinis, il faut que nous ayons une étude très claire et incontestable sur où nous en sommes en matière de financement public, parapublic et privé. L'OCDE nous a fait part de l'état de ses réflexions et sera présenté à Lima au mois d'octobre lors de la réunion du Fonds monétaire et de la Banque mondiale à l'initiative du Pérou et de la France, un rapport qui permettra de situer exactement où nous sommes. Et du même coup, cela donnera de la crédibilité à l'engagement et à la trajectoire que nous devons choisir pour aller vers les 100 milliards de dollars par an en 2020. Car s'il y a des contestations permanentes sur les chiffres, évidemment, cela rend la discussion très difficile. Et donc, à Lima, le 9 octobre, nous examinerons ensemble ce qui a été fait depuis Copenhague dans ce domaine pour en avoir une vision partagée et bien cerner ce qui reste à faire. Ça nous permettra d'avoir un dialogue confiant et constructif pour élaborer un accord de Paris qui soit à la fois équitable, durable et qui permettra au financement climat dans leur ensemble de continuer à croître de manière transparente et prévisible. Et évidemment, ça a suscité beaucoup d'intérêt de la part des uns et des autres. Pour alimenter encore leurs réflexions, j'ai demandé à deux personnalités de venir plancher devant l'ensemble des délégués. D'une part, le nouveau président de la Banque africaine de développement et d'autre part, Mme Gabriela Ramos, qui, à l'OCDE, suit le sujet dont il s'agit. De la même façon, nous avons discuté des capacités des transferts de technologies pour voir comment on pouvait lier les contributions, les fameux INDC, les financements et les technologies. Je n'entrerai pas plus dans les détails. Peut-être Laurence Tubiana, si vous avez des questions, vous dira un peu quels sont les éléments. Mais je voudrais tirer deux ou trois leçons générales. La première, c'est pour dire que les participants nous ont dit leur satisfaction du déroulement de ces deux journées de travail intense. C'est un excellent complément avec la session de Bonn. Et je crois que ce n'était pas une formule de politesse, mais quelque chose de ressenti. Le fait que c'était la première fois dans l'histoire des COP, il y ait ces sessions informelles très représentatives qui apprennent à se connaître, qui permettent de travailler sur le fond. Tout cela a été extrêmement apprécié. Et en particulier, puisque nous avons choisi des questions majeures, la dernière fois, c'était la question de l'ambition et de la différenciation. Cette fois-ci, la question des financements, des technologies et de l'adaptation. On est vraiment au cœur des sujets difficiles. Ce qui m'a frappé au long de ces discussions, c'est à la fois l'ambition qui se dégage des interventions et l'esprit de compromis qui, espérons-le, va nous permettre de répondre le 11 décembre à l'attente de millions et de centaines de millions de personnes dans le monde qui souhaitent que nous puissions résoudre ce défi majeur pour l'humanité. Ce qui m'a frappé aussi, c'est la volonté de tous ceux qui sont intervenus que nous disposions rapidement d'un texte court. Ce sera donc le cas, les coprésidents de l'ADP s'y sont engagés au début du mois d'octobre, pour que vraiment on puisse travailler sur une base de négociation. Et j'ai annoncé que la France organiserait, je la présiderai, une pré-COP large au mois de novembre, dans la première quinzaine de novembre, pour pouvoir traiter de sujets qui, le cas échéant, n'auraient pas encore été traités. Donc la séquence, vous la voyez. Vous avez toute une série de réunions, et en particulier des réunions
très importantes qui vont avoir lieu à l'Assemblée générale des Nations unies à la fin du mois de septembre. Vous avez au mois d'octobre la réunion de Lima sur les financements. Vous avez dans la deuxième quinzaine d'octobre la réunion ADP à Bonn qui va permettre d'examiner le texte qui aura été soumis aux participants à l'ADP au début octobre. Et vous aurez dans la première quinzaine de novembre la pré-COP à Paris, ce qui devrait nous permettre, j'espère en tout cas, et c'est le sens de nos décisions, d'arriver à Paris avec vraiment un travail de fond fait sur l'ensemble des sujets. Il restera certainement des sujets à trancher, mais disons, je salue Christian Figueres qui est l'âme de tous nos travaux et que je remercie, ce calendrier va nous permettre vraiment de traiter l'ensemble des sujets sur le fond. Et je vous confirme que nous inviterons les chefs d'État et de gouvernement, tous, qui souhaitons s'exprimer pour le début de la COP, afin qu'ils lancent l'impulsion politique nécessaire à un succès et qu'ensuite les négociations aient lieu pour permettre, espérons-le, le 11 décembre, d'aboutir au succès. En bon français, beaucoup d'entre les délégués, les ministres, ont repris l'expression que j'avais utilisée. Paris doit être un turning point, un point tournant, puisque ce sera, si nous réussissons, et c'est indispensable, la première fois qu'un accord universel, légalement contraignant, aura été passé, permettant de ne pas dépasser les 2 degrés d'élévation de la température liée au gaz à effet de serre. Et en même temps, Paris ne résoudra pas toutes les questions. Et donc il faudra que des mécanismes soient créés à Paris pour permettre ensuite, au fur et à mesure du temps, de résoudre les questions qui n'auront pas été résolues. Mais ces 2 jours, je pense, auront été utiles. Et nous sommes donc maintenant dans la dernière ligne droite. Et nous engageons ce travail avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'espérance. Je suis à vous. Madame. C'est vous. Oui, bonjour, Magda Fournier, NHK, télévision japonaise. Vous avez parlé de la pré-COP. Est-ce que vous pourriez nous un petit peu préciser à quel niveau, ou est-ce que ça va être au niveau des ministres ou au niveau des négociateurs? Et d'autre part, donc, pour le rapport que vous allez recevoir de l'OCDE, si jamais ils vous disent que vous n'allez pas avoir ces 100 milliards, qu'est-ce que vous pourrez faire en ce moment? Alors, sur la pré-COP, c'est une tradition. Elle est plus ou moins large, mais là, il s'agit d'inviter ministres ou négociateurs d'une façon très large, très représentative des différents pays, pour traiter des sujets qui n'auraient pas encore été réglés. Voilà. Et puis nous préciserons les choses au fur et à mesure du temps. Sur le rapport qui a été commandé à l'OCDE, qui vise à la fois sur l'évaluation des chiffres et la méthodologie, il a pour objet de situer les efforts qui ont été faits maintenant depuis Copenhague. Et donc, d'une manière très concrète, il dira... en prenant les derniers chiffres, par exemple ceux de 2014, je ne sais pas si c'est possible pour 2015, voilà ce qui est fait en matière de climat par les gouvernements sur le plan public, voilà ce qui est fait par les banques multilatérales, voilà ce qui est fait par le secteur privé, avec une méthodologie incontestable. Et évidemment, ça permettra de dégager une tendance, et de voir si nous sommes en ligne avec cet objectif des 100 milliards de dollars par an en 2020 ou s'il y a des efforts supplémentaires à faire. C'est un travail absolument indispensable parce que sinon, si vous voulez, les discussions peuvent avoir lieu. Certains diront mais on est en dessous de l'objectif, d'autres diront on est au-dessus de l'objectif. Et il faut vraiment qu'il y ait un travail tout à fait incontestable qui soit fait. Et l'OCDE... L'organisme renommé s'est donné le moyen pour le faire. Voilà l'objet.
Et du coup, ça permet de prendre, à la fois pour les gouvernements, pour les banques multilatérales et pour le secteur privé, des orientations pour arriver à cet objectif des 100 milliards. Madame ? Bon, à part le fait que vous êtes très, comment dirais-je, annoncé dans la presse étrangère, parce que moi, je viens de l'Europe du Sud-Est et j'écris pour les journaux de diaspora en Amérique et ailleurs, votre querelle, soi-disant, entre guillemets, avec Madame Royal, qui est très annoncée dans le monde entier, y a-t-il, comment vous avez structuré le gouvernement, je vais dire, qui, à part de vous, parce que nous, on voit que vous, à part de vous, travaille directement sur la COP en France. Alors, je ne sais pas si la presse du monde entier s'intéresse à ce sujet, j'en doute. Je vais vous dire, je peux vous montrer. J'en doute. Mais, pour satisfaire, en tout cas, votre curiosité, le président de la République est évidemment en première ligne. Non seulement parce que c'est sa fonction de chef de l'État, mais parce qu'il est personnellement très investi. Et d'ailleurs, à l'Élysée, le 10, c'est dans peu de jours, sera présenté, d'un point de vue très matériel, le déroulement même de la COP. Donc c'est le président de la République qui est le chef de file. Et c'est lui qui m'a demandé à l'époque, c'était à Varsovie, de déposer la candidature de la France pour accueillir la COP 21. Ensuite, évidemment, l'ensemble du gouvernement contribue à ce que ça se passe bien. Pour ce qui concerne mon propre rôle, j'ai été chargé par le président de coordonner la préparation de la COP 21 et de la présider. C'est quelque chose qui est un peu particulier parce que, en fait, je ne serai président que le jour où la COP commencera, mais évidemment, il faut travailler auparavant. Donc, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. En ce qui concerne les différents membres du gouvernement, chacun dans son secteur agit au maximum pour que tout cela se passe bien. Ségolène Royal a une responsabilité particulière puisqu'elle est ministre de l'environnement, de l'écologie. Elle défend donc les positions de la France dans ce domaine. Ce n'est pas moi qui les défends. Moi, je préside l'ensemble de la COP. Et elle le fait au nom de la France, à l'intérieur de l'ensemble européen, puisque vous le savez, s'agissant des positions de la COP, c'est l'Union européenne, en l'occurrence la présidente luxembourgeoise et le commissaire Cagnetti, qui harmonisent ses positions. Et évidemment, Ségolène Royal, compte tenu à la fois de son intérêt pour le sujet et de sa connaissance du sujet, est très active. Mais ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les journaux. Les choses se passent très bien et il n'y a pas de difficultés particulières. Monsieur. Vous dites que les ministres sont dans une position plutôt ambitieuse, une position de compromis, dans le sentiment qu'ils ont envie de faire avancer les choses. Et pourtant, dans les négociations ADP, il semble que ça patine, qu'on n'arrive pas à avancer. Ban Ki-moon a appelé à aller plus vite. Oui. Les dernières négociations semblent patiner à nouveau. Comment vous expliquez cette différence entre une vision politique d'un côté et les négociations pure et dure de l'autre? Alors, d'une part, comme vous venez de le souligner, et c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment connu, on est dans une procédure ONU, et dans cette procédure ONU, c'est au sein d'un organisme, qui s'appelle l'ADP, qui siège à Bonn, périodiquement, que les négociations ont lieu. Et Cristina Figueres connaît ça admirablement, puisqu'elle assure le secrétariat de cet élément-là. Bon, et dans ce groupe ADP, il y a l'ensemble des pays qui sont représentés. Alors, c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile à comprendre, parce que nous disons... c'est le ministre qui donne ses instructions aux négociateurs. Et nous n'imaginons pas qu'il puisse y avoir des différences de position entre le ministre et les négociateurs. Mais ça se passe parfois différemment. Et donc, voilà, ce groupe ADP, avec ses deux coprésidents, un coprésident algérien et un coprésident américain, a pour charge de préparer le texte. Ils ont fait plusieurs réunions. Ils ont des journées de travail qui ne sont pas extensibles à l'infini. Et il y a eu un très gros travail à faire par eux, parce qu'ils sont partis d'un texte qui était extrêmement vaste et, on dirait, assez enfoui.
Ils l'ont mis en ordre, ça a pris du temps. Et maintenant, à la dernière réunion qu'ils ont eue, ils ont reçu le mandat de faire un texte beaucoup plus court. Là, la longueur qui a été citée, en général, c'est une vingtaine de pages. Donc on passe de 100 pages ou 80 pages à une vingtaine de pages. Et où il n'y ait pas quatre options sur chaque sujet, mais où, ou bien il n'y ait pas d'option du tout, ou bien deux options, entre lesquelles les différents négociateurs devront choisir. Donc ils se sont engagés, d'une part, à rendre public au début du mois d'octobre un texte, je vous dirais, d'une vingtaine de pages, qui donne la base de la négociation, et ensuite, dans la deuxième quinzaine d'octobre, lorsqu'ils vont se réunir avec les 180 16 négociateurs, ils doivent aboutir à partir de leur projet de texte à un texte. Bon, ensuite, il y aura la réunion de la pré-COP, ça c'est autre chose, ce sont les ministres, et ensuite, ils doivent, parce que c'est ainsi que juridiquement c'est conçu, même si ça paraît un peu compliqué, entrer dans la COP même avec un texte, et à un moment, ils me remettent en tant que président de la COP, le texte auquel ils sont parvenus. Et ensuite, il y a d'autres arbitrages à faire entre ministres. Donc c'est une procédure assez complexe, mais qui est celle qui a été décidée par les Nations Unies. Et maintenant, ce qui leur a été demandé par tous les collègues qui étaient présents, tout en mesurant la difficulté, c'est de dire, chers amis co-présidents, maintenant, il faut que vous produisiez un texte qui soit beaucoup plus court et qui ne comporte pas cinq options à chaque fois. Et donc c'est leur tâche qui est compliquée, et ils vont s'y atteler entre maintenant, nous sommes au début septembre, et le début du mois d'octobre. Ensuite, il y aura la réunion d'octobre, qui durera plusieurs jours, où ils doivent aboutir au maximum de compromis sur ce texte. On va prendre encore deux questions, après il faut que je file. Monsieur. Oui, Richard Verly du quotidien suisse Le Temps. Bonjour. Ce matin, à sa conférence de presse, le président Hollande a parlé de sursaut nécessaire. Vous étiez présent pour l'écouter. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce sursaut nécessaire afin de parvenir à un accord? C'est pour surmonter quoi et quelles sont les difficultés du moment, à votre avis? Je pense que le président faisait allusion à deux aspects. Le premier, c'est celui que je viens d'aborder en réponse à la question de votre collègue. C'est que on aimerait évidemment que un texte ramassé et qui ait déjà tranché les principales options soit présenté rapidement. Et c'est vrai que au cours des derniers mois, pas mal de remarques ont été faites à cause même de la procédure sur le fait que c'était long, c'était lent. Bon, donc il y a ça à l'esprit. Mais ce que nous ont assuré les coprésidents de l'ADP, c'est que maintenant ils avaient reçu un mandat qui leur permettait d'aboutir à cela. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect auquel le président a fait allusion, c'est l'aspect financier, parce que nous avons le sentiment, le président, moi-même et beaucoup d'autres, que la question financière sera très importante. Car lorsque vous parlez avec des responsables, en particulier des pays pauvres, je pense aux pays d'Afrique ou à d'autres. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, mais les gaz à effet de serre, nous en émettons très très peu. Mais nous sommes les premières victimes de la sécheresse. Et donc nous sommes de bonne volonté, nous sommes tout à fait d'accord pour faire en sorte que nous puissions améliorer ce que nous faisons en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Mais où sont les finances et où sont les technologies? Et donc, ça pose tout le problème des 100 milliards, de l'utilisation de ce qu'on appelle le fonds vert. Beaucoup disent, oui, bien sûr, c'est très bien, mais la COP, c'est à l'horizon à partir de 2020, mais là, nous sommes en 2015, donc qu'est-ce qu'on va faire entre-temps? Il ne faut pas perdre de temps. Donc, voilà. Et cette question financière, elle doit être traitée très sérieusement. C'est la raison pour laquelle le rapport de l'OCDE sera si nécessaire. Donc je crois que c'est cela l'idée, à la fois vraiment de donner un coup de collier, de garder un niveau d'ambition élevé et en même temps l'esprit de compromis nécessaire.
J'avais dit dans mon petit topo introductif, lorsque j'ai reçu mes collègues, il faut passer du pas ou du trot au galop. Parce que moi-même, j'étais au siècle dernier cavalier. Au XXe siècle. Hein. C'est vrai que nous avons eu l'année dernière la plus chaude jamais enregistrée. Cette année risque encore d'aller plus chaud. Le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré. Et je ne vais pas être long sur ce point, mais il faut comprendre que non seulement les conséquences proprement climatiques sont considérables, mais il y a des conséquences sur les famines, sur l'extrémisation des phénomènes, sur la fonte des glaciers, sur les terres elles-mêmes. Le président de la République, dans sa conférence, faisait allusion au fait, et il a tout à fait raison, que déjà, vous mesurez les difficultés qui sont liées au mouvement de population lorsqu'il s'agit de centaines de milliers de personnes. Mais évidemment, si les températures devaient continuer à s'élever, ce ne sont plus des centaines de milliers de personnes qui sont concernées, mais des centaines de millions. Nous allons nous rendre bientôt, par exemple, avec mon collègue allemand, au Bangladesh. Bon. Le Bangladesh est potentiellement et réellement soumis à un régime qui fait qu'une grande partie du territoire peut être complètement submergée, avec les dizaines et dizaines de millions de personnes concernées. Donc il faut avoir tout cela présent à l'esprit. Et je pense que l'état d'esprit de tous ceux qui étaient là, c'est il faut se mobiliser pour obtenir un résultat très, très important à Paris au mois de décembre. Le dernier. Je vous en prie. Est-ce que les 196 parties seront invitées à la pré-COP début novembre ou est-ce que ça sera à un périmètre relativement limité comme les... Non, je pense qu'il faut inviter chaque chef d'État et de gouvernement, ou de gouvernement, oui. À la pré-COP. Non, mais c'est... Ah non, non, pardon. La pré-COP. Bon, nous devons voir cela. L'idée est de faire quelque chose qui soit peut-être plus important en nombre que les cinquantaines ou soixantaines, là, mais c'est difficile, ne serait-ce que pour des raisons matérielles, d'inviter 195, 196 personnes. Donc, je n'ai pas le nombre exact, mais ce sera une réunion qui sera très représentative, oui. Et la deuxième précision, l'Iran était là. J'ai l'impression que c'était oui, la première fois. Oui, la vice-présidente iranienne était là, qui est en même temps ministre de l'Environnement, que j'avais rencontré d'ailleurs à Paris déjà, et que j'ai rencontré quand je suis allé à Téhéran, et qui était là et que j'ai reçu. Oui. Et est-ce que... Bon, on sait tout ce qui s'est passé de ces derniers mois autour du nucléaire iranien, les négociations, etc. Quel est leur état d'esprit ? Est-ce qu'ils sont, ils sont rentrés de plein pied dans la négociation ? Ce sur quoi elle avait insisté quand je l'ai rencontré, ce sur quoi elle a encore insisté dans son intervention dans notre entretien et ensuite devant tout le monde, c'est de dire que l'Iran était évidemment très concerné par cette question, notamment sur le plan agricole, sur le plan de la sécheresse. Ça, c'était un aspect. Et elle a insisté aussi sur le fait qu'il y avait un effort à faire sur la diversité des technologies, bien sûr sur les renouvelables, mais compte tenu de ce que l'Iran possède comme ressources, qui sont pour une part des énergies fossiles, elle a insisté aussi sur le fait que il fallait travailler sur comment peut-on limiter les émissions de gaz à effet de serre des énergies fossiles. Ce sont les deux points sur lesquels elle a insisté. Merci à tous. Merci et à bientôt.